Yo les potes, c'est Jordi au Vitry. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo les amis, pour vous en parler directement, comme ça, ce sera assez rapide. Ce matin, j'ai fait la mise à jour de la saison 3 de Call of Duty Modern Warfare. Et j'ai fait un petit live sur Twitch pour voir, comme ça on voit en live, comme ça j'aurais pu le retélécharger. Là, actuellement, vous voyez une vidéo sur YouTube juste après ça. C'est pour vous annoncer que voilà, déjà j'ai la saison 3 de Call of Duty. Ma réaction que j'ai pu avoir sur la saison 3, j'ai pas été... Waouh, c'est spécial, non? Je l'ai acheté et voilà, comme ça au moins vous voyez à quoi ressemble et tout. Parce que je pense que tous les youtubeurs ont mis une petite vidéo sur leur réaction sur la saison 3. Et moi actuellement, voilà. Alors ensuite, vous aurez déjà ma réaction, qu'est-ce qu'on peut avoir dans le pass de combat. Il y aura une première game, ma toute première game de la saison 3 avec la PP19. Et voilà. Bon allez, je vous dis bonne vidéo à tous et merci de m'avoir suivi. Alors n'hésitez pas déjà à me suivre sur... sur Twitch, voilà, comme ça ce sera fait, de vous me suivre sur Instagram, comme ça ça s'affiche encore, et de vous abonner à ma chaîne. Et voilà, allez, je vous fais des bisous à tous et à bientôt. Ces bâtards. Bon, on peut voir qu'est-ce qu'il y a déjà. Voilà, comme ça au moins ça sera fait. Tac. Voilà, ils sont mis titres. Voilà. Voilà, le jour, tac, voilà. Bon les amis, déjà, comme vous êtes en train de voir, il y a la nouvelle mise à jour de Call of Duty. Là, j'ai été voir dans la boutique pour directement aller, on va aller en voir en mode multijoueur. Voilà, là, il nous propose d'acheter le pass de combat pour 1000 euros. Acheter le pass de combat, c'est sûr. Soit on l'achète pour 24 et tout, ou soit on l'achète pour normal. Mais enfin, comme je joue en permanence, je pense que c'est pas... le problème, voilà, voilà. Alors je pense que attends, je peux vous répondre en commentaire et tout. Voilà, let's go. Oh. Tac, tac, voilà, comme ça je vois tout directement. Ah ouais, putain, mais c'est des crevards quand même à ce point. Là c'est pour 2014, ce sera pas pour cette année. Mais là en pire on va plus la barplay. Elle fait un bruit, mon bébé. Wouh, putain c'est magnifique. Au moins deux nouveaux skins. Ah putain, je kiffe là. 22 quads, comme ça vous voyez déjà. Ici on a du double XP, un nouveau. Une nouvelle arme, DLS Digger, je crois. Ah ouais. Ici une carte de visite. Une arme de double XP. Une espèce d'emblème. Le couteau, 1000 CP, voilà. On peut avoir quoi ici? Un fusil d'assaut alpha. Bon, je pense que déjà les fusils d'assaut, je les ai tous unis. Ici on a un skin. Une arme gratuite. Je trouve pas franchement dégueulasse, mais ça peut aller. Et on va. Voilà, c'est quoi ça? On a activé quelque chose là. On verra ça. Ah oui d'accord, c'est pour voir s'il faut. C'est mieux ça. Voilà, une carte de visite du CP. Putain bah franchement je pense que là, cette saison elle va être magnifique. Là, enfin je l'ai déjà en or. En or et...
double platine alors. C'est pas le défaut. Une caisse. Une variante de voiture. Voilà. Ici on peut avoir fusil de précision. Putain. Je l'ai en or cette arme. Là elle est magnifique. On va juste avoir le platine. Fusil d'assaut tactique. Voilà, comme ça au moins on va savoir. Du CP, une montre, une carte de visite, encore un fusil d'assaut. Là je pense qu'en vrai ils abusent. Je crois que c'est un couteau directement. Mitraillette. Ouais, j'avoue, il est pas mal. Un véhicule. Ah putain. Ah non, ça va faire le véhicule, il est magnifique. Ok. C'est la pompe. Au moins là, je suis content. Parce que je suis pas claqué que je reprends. Et là, en plus, c'est le moteur et tout. 125. Ici, on a une bateau, ce que je pourrais utiliser. Tout ça avec du style de trucs que je peux apprécier. Selon ce gros chargeur. Et un viseur assez adapté. Ouais, ouais, là, une variante. Là, une mitraillette. La MP5. Ok. Ici, on peut avoir fusil d'assaut. Ça devrait être la FAL. Ouais, je pense bien. En plus, là, on dirait qu'il mélange bien les couleurs que vous dites cette saison. Mais voilà. Et ici, on a quoi? La PP19. Et que je viens de commencer. Oh putain, je sais pas que j'aurais pas débloqué un bon retour comme ça pour les utiliser. Une montre. 40 West. West. 3/25. Je pense que ça doit être des escouades et tout. Dans 55 jours, palier et tout. Ici on a le Locus, le AX50, je crois. Avec laser. Coscous. Ouais, ça peut aller. Parce que je l'ai déjà. Dallas Digan, putain, mais vous êtes ça. Pouah, on dirait l'arme de Tomb Raider dans. Je sais plus dans lequel, c'est pas. Ici, un nouveau pompe. Voilà les pompes que je vais pas commencer, mais ça je l'ai bientôt en or, ça tombe bien. Mais je joue pas à chaque fois. Ah ben voilà, tiens ça. Putain, je le voulais. Ça c'est pour savoir si on fait une bonne game et tout. La MP7, je crois bien. Et que j'ai déjà. Oh non, mais là, il y a une la variante, alors je me joue pas alors. Le minigun en porte-clés. L'agent final. Putain, mais non, mais là ça va être un délire. Avec une variante du fuseau tactique, du fusil d'assaut tactique, voilà, avec un petit drapeau couche qui fait assez bien. Un hélicoptère pour transporter et l'emblème de la saison 3, pour dire qu'on a bien fini cette saison. Putain, alors là, ça va être magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? Modification des véhicules, d'accord, voilà. Alors là, maintenant, on peut modifier les véhicules. Sauf que je pense qu'il n'y aura pas tellement de gens qui vont le faire. Pourquoi? Parce que spécialement, bah, ça pourrait être visible. Là, je vois qu'on a débloqué un quad. Bon, on va le mettre quand même, voilà. Et ici, on voit qu'on doit débloquer. Alors, je pense que dans l'avenir, il y aura d'autres véhicules. C'est bien. Voilà, comme ça, au moins, on pourra faire des trucs ordinaires. Agent. Ah, voilà. Alex. Alex, là j'ai kiffé mon gars, je pense que je vais te mettre directement. En plus, attendez. Ah, tiens. C'est quoi ça? US Force. Ah ouais, mais attends, comment on fait pour les bloquer? Débloquer pour avoir la tenue. Tenue de place de combat 10, d'accord. 30 là, je vois. 70, 50. Ouais, je pense que là, en vrai, on peut. Faisons du skin parce que des fois des joueurs ils aiment bien des skins comme ça. Ça fait franchement kiffer. Voilà, attends. Là on va juste revoir. Voilà, là je vois que lui bah. Voilà, on a des variantes.
Ici on voit bien. Palier 100, palier 100, palier 100. Terminer une partie avec Alex. Voilà, ça c'est simple, ça doit être une partie comme tous les joueurs. Utiliser 3 fois l'amélioration du combat. Bouclier. Oh bah vas-y, on va le mettre. Et ici on a débloqué quoi? Allez, tac. Couteau, pistolet. Je pense que c'est pas unique parce qu'en même temps moi je vois pas trop la différence sur toutes les uns. Mais allez, on va stacker au nouveau joueur. Tac, là on voit qu'il y a du lourd. Du lanceur, voilà. Oh ouais! Putain! En fait, il a plein de tatouages, putain, je kiffe. Ah, c'est pour dire que vas-y, on est des vrais durs. Allez, vas-y, on va mettre le gars torse nu. Et ici, on a, je pense, que la même chose. Maintenant, on peut choisir des attaques. Mais ça, je pense que là, pour lui, il a rien du tout. C'est un peu dommage. Ils vont dû mettre des deux côtés où on pouvait changer. Et voilà. Après, on a rien d'autre. Celui, ici. Alors, ici, en emblème, on a quoi? C'est quoi ça? Récup. République seul du Nord. Ouais, je trouve ça pas franchement attirant. C'est moche déjà. Je préfère supporter mes équipes principales, que ça soit Paris Légion ou Empire. Voilà, c'est deux équipes que j'admire. C'est un peu dommage qu'il n'y a pas l'équipe Gotha Vitality, mais je pense qu'on va être un bon moment. Exactement, je pense que ils ont activé de nouvelles atouts encore, parce que moi j'ai cru voir des chiens à un moment, mais non, pas du tout. Dans les armes, alors qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on a quand même un tout? En vrai, je peux pas savoir. On n'a pas rajouté des cases, non, pas du tout. Véhicule, ouais, les montres. Et ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est pour les variants. Alors, non, pas franchement. Je demande de la saison 3. Maintenant, on va aller voir juste en Warzone. Il est simple. Or en squad. Ici en solo. Ou en Philippines de quartier de mode de jeu. Alors, entraînement de peinture. Vidéo de gameplay. Et tout. Regardez des vidéos en gameplay de village pour voir toutes les fonctions. On va voir maintenant. Voilà, vois ces pillages. Voilà comment ça se passe. Dans ce mode, chaque équipe se bat pour amasser le plus d'argent possible. L'argent peut être récupéré de plusieurs manières. Le plus sûr est... Ah, j'ai compris. Ouais, d'accord. Bah, y'a pas tellement de choses, mais... Est-ce qu'il y aurait au moins des nouvelles missions dans COP? Parce que je pense que c'est un truc qui remet jamais. On dirait qu'ils ont un beau de mode COP. Ici, on n'a pas débloqué les mises à tout encore. Non, pas du tout. Véhicule, ouais, bah ça, voilà. En plus, ce sera pour le mode civil en plus. Ah bah ça, c'est magnifique. Je vais pas me plaindre. Allez, en pire, on va lancer une game. Et on va voir. Voilà. Let's go, les amis. On va aller en... On va tester les nouveaux. Domination, match à mort. Domination, match à mort, par équipe, combat... Allez, laisse-moi, on va aller dessus. Voilà. Let's go. Juste avant, on va prendre ça. Bon, voici mon défi. Gameplay, voilà, après ça sera la fin de mon live. Pourquoi pas? Bah, pour la vision de YouTube, et on va voir ensuite. Voilà, voilà. En pire, je pense que sur Twitch, je vais rester un peu plus longtemps. Sur voilà, on est à 10 follow, 52. Ouais. Ouais. Ah non, attends. Oh, putain, bon, c'est ce qui. Bon, c'est bon. Allez, let's go.
Allez les gars. Ouais. Prenez le contrôle des objectifs et éliminez vos ennemis. Sécurisation du point Alpha. Placing Claymore. Ennemi près de l'entrepôt. Point Alpha sécurisé. Planting Claymore. Point Bravo, on y va. Oh putain, il a piraté ma mine, bien joué. Bravo. On a perdu le point, bravo. Sécurisation du point, bravo. C'est avec moi. Point bravo, sécurisé. Allez, pardon, ouais. On s'est emparé de la tête. Parce que j'aurais dit 94 est là, mon gars. Ennemi, allez, on prend Alpha. On a pris deux objectifs, ne les perdez pas. Frappe à dispersion ennemie imminente, à couvert. Ennemi près du bâtiment de matière d'entrée. J'ai sauvé mon gars. Mais en plus il joue avec une bonne arme, c'est ça qui peut me choquer. Et le gars il est là en train d'attendre et tout. En plus comme vous voyez, moi je suis quelqu'un qui est beaucoup coincé. Là ils veulent pas trop foncer les gars, ils sont chiants. On a perdu le bras. Il est chaud là, il bouge pas. Bon, au moment où il faut que tu regardes, ça sécurisation du point Charlie. Sécurisation du point Charlie. D'accord, on va capturer les autres. On va prendre le point Alpha. Il m'a éliminé. Après je bouge, je sens que les grenades il les précise pas assez. Attention, drone allié dans les airs. On a fait la moitié du coup. Je sais pas. Frappe à dispersion ennemie imminente, à couvert. Thank you.
je savais qu'il campait, c'est ça qui peut m'énerver. Gros cassos. Je comprends, t'as débloqué ton arme en or, mais moi je les ai empruntés. Ah, ça me... Ah ouais, on recommence tout en plus, c'est ça qui peut me choquer dans le jeu. Au moment où on commence, bah on peut dire qu'il peut venir, mais voilà. Oh là, je pense que je dois rentrer. Je vais limiter. J'essaie de faire le bunker, mais je pense que pour la vidéo sur YouTube, ça sera pas le même. N'hésitez pas à liker. On va prendre le point Charlie. Sur le compteur, je crois 3 likes. On a pris 2 objectifs, ne les perdez pas. On tient tous les points. Ils sont pas si bons que ça, on va. Bon, à la fin, je termine pour un 17. Un 17, je sais pas combien, 3 captures. Quand même bien. Voilà, bon, les amis, n'hésitez pas à liker, comme ça s'affiche là, justement. Que vous avez pris, c'est l'herbe. Et moi, je vous fais des bisous à tous pour ma vidéo sur YouTube. Voilà, allez, à la prochaine.